sommes dans le futur. Le monde est contrôlé par les entreprises transglobales, héritage de la fin du XXe siècle. En ces temps troublés, il semble que tout est un prix, même la justice. C'est l'univers des Psycops, défenseurs du bon droit opérant à l'extérieur du système, contre le système. Parce que parfois, l'action vaut mieux que la réflexion. Bon oui, c'est un petit peu nanardesque, hein, je vous l'accorde. Mais au moins c'est présent. Et en plus j'ai l'impression, ouais, Matrix, excellent. Ça c'est le héros qu'on incarne, donc Hawk, qui était déjà présent dans le tout premier Fighting Force. Eh bien salut à tous, c'est L4 et aujourd'hui on se retrouve avec Jurassic Park. Non, non, ça c'est l'ADN. Aujourd'hui on se retrouve avec Fighting Force 2, avec une cinématique qui en jette quand même. Et avec la voix de Thierry Mercier, hein, sérieux, j'ai envie de dire... J'ai l'impression plutôt. J'ai l'impression que c'est lui, le doubleur de Hawk, qui nous fait profiter de sa grosse voix. Donc Tilk dans Stargate SG-1, Sangoku dans Dragon Ball GT version adulte, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, Chet dans Code Lisa, et il y avait quoi d'autre, je ne me souviens plus, voilà, le conseiller Turien dans Mass Effect, hein, je crois bien. Voilà, je crois que c'est lui. De toute façon, on la reconnaît, hein, c'est vraiment une grosse voix atypique et tout. Je crois que c'est lui, mais j'en mettrai pas ma main à couper, hein, c'est vraiment, ça ressemble. Donc voilà. Bon, vibration, ouais, mode normal. Ah, on peut changer la difficulté, sérieux. Il y a expert et normal, d'accord. Bon, mais Fighting Force 2, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh ben, attends, là, on se croirait dans Independence Day, ou alors, ah, ça me fait fortement penser à la pyramide, là, au milieu. Ça me fait beaucoup penser au film Alien versus Predator, en fait, le premier. C'était Polly Anderson, non, qui s'en était occupé. Il y avait un petit peu le même genre de où ils se battaient contre les aliens et tout. Bon allez, commence. On est parti. Sinon, j'ai une sauvegarde qui date du deuxième niveau. Donc je vais vous montrer le début du jeu, hein, comme d'habitude. Alors ce jeu-là, bah, il fallait que je vous en fasse la vidéo un jour, hein, quand même, parce que... Ah, il parle. Mais là, c'est beaucoup moins fort au niveau du son. Voilà, temps de chargement avec le briefing, voilà. Ça a un petit peu pensé à Siphon Filter, ça. De toute façon, vous allez voir que le jeu, il a beaucoup changé, hein, par rapport au premier épisode. Le premier épisode, je vous avais fait la vidéo il y a quelques années, Fighting Force, premier du nom, sur PlayStation, voilà, parce que là, on est sur PlayStation aussi. Oula, je me réhabitue aux controls. Même si j'ai joué juste avant, mais c'est surtout que je vais baisser un petit peu le son, voilà, ça aussi ça rappelle le train dans Siphon Filter et tout. Putain, j'avais pas vu qu'il y avait un ennemi ici, regardez! Comment je le tue? Vu FPS, please. Ah non, je peux juste bouger la caméra comme ça. Regardez l'ennemi là! Oh, c'est énorme! Il y a un trophée si t'arrives à le tuer! Eh ben, en plus j'ai un couteau, attendez. Je vais prendre touche triangle, je vais vous expliquer le... Oh, quel enculé! Quel enfoiré, vous avez vu la grenade qui m'a foncé dessus? Est-ce que je vais pouvoir l'avoir en vue sublime? Prends sa saloperie! Ah merde, je l'ai pas eu. Pourtant, regardez, on voit sa jauge de vie, on voit droit de l'écran, elle a disparu. C'est dommage, il me faudrait une autre arme. Mais bon, c'est pas grave, on va y aller comme ça. Sinon, moi aussi, j'ai des grenades, hein, y a pas de raison. Ouais, j'ai défoncé ce truc. Dans ce jeu, on est sans arrêt, ouais, bien, kit de soins. Dès le début, ça commence bien, vous voyez. J'ai jamais remarqué cet ennemi, c'est énorme, ok, le flingue. Je vais vous expliquer ce qui se passe, hein, quand on ramasse une arme et tout. Ouais, comme là, vous voyez. Y a différentes sortes d'armes, de différentes catégories, vous allez voir. Je vais sauter en appuyant sur la touche carré, vous voyez. Bon, là, je peux pas y aller, par contre. Vous voyez, les barrières, là, c'est Keblo. Je peux pas aller plus loin. Ah, merde! Ah, putain, c'est vrai que dans ce jeu, quand on se foire, regardez, il fait un... Et on le voit briller en jaune, regardez. Ah, ben là, ça le fait plus. Il fait Bonaldi. Ah, voilà, il faut juste se remettre. Il peut s'accrocher, hein, sinon, vous voyez, c'est la même team qui a fait Tomb Raider. On a vu, hein, Eidos plus Core Design. C'était la même intro. Hein. On s'était vraiment cru dans Tomb Raider, au début, avant la cinématique. Mais on a du mal à y croire, parce que franchement, c'est ouais, un magnifique ciel unicolore, vous voyez. Ah non, je déconne quand même. Bon, l'univers, c'est un petit peu, est-ce qu'on peut dire steampunk? J'en sais rien. Bah oui, un petit peu futur. Mais il y a beaucoup d'industries, vous voyez, des cheminées et tout. Il y a vraiment un univers un petit peu futuriste, et avec des cyborgs et tout, hein, c'est un petit peu le cas, des humains génétiquement modifiés et tout, les ennemis qu'on affronte, même nous-mêmes, je crois. Donc, regardez, je saute. Vous voyez, il a brillé en jaune, en clair, là. C'est parce qu'en haut à droite de l'écran, j'ai perdu quelques points de vie. On se prend des dégâts très facilement. Je vais l'achever comme ça, là. Avec des dégâts de chute. Parce que, malheureusement, mais vite, avant qu'il me balance cette... Ah, saleté. Je vais pas y arriver, vous allez voir, ça va vraiment du gros foirage dès le début, prends sa saloperie. Et voilà, il est nickel dans la jambe. Et voilà, il est mort comme ça, saloperie, va. Il m'a rien donné. De toute façon, à distance, ce serait un petit peu dur, j'ai envie de dire. Donc ouais, c'est... Attention aux ennemis qui vont surgir. Ah merde, j'ai voulu lui sauter dessus.
J'ai oublié de faire le coup. Voilà, les combats, c'est un petit peu bordélique. Hein, j'ai ramassé la clé en bas à droite de l'écran. Je vous en reparlerai. On doit sans arrêt ramasser des clés. Il y en a partout. Des espèces de cartes magnétiques, hein, vous voyez, de différentes couleurs. La plupart du temps, c'est bleu. Et plus rarement rouge. Voilà, ça permet de... Là, par contre, j'ai deux mêmes catégories d'armes. Regardez, vous voyez, j'ai ce bâton-là en bas à gauche de l'écran, on le voit, qui peut-être est plus résistant, l'espèce de tube avec un rond orange là. Et sinon, j'ai la barre de fer normale, vous voyez. Alors, je dois appuyer sur la touche triangle pour passer d'une arme à l'autre, vous voyez. Ou sinon, quand j'en ai qu'une, ça l'arrange. Oui, ça m'arrange moi aussi. Et sinon, touche triangle, je laisse appuyer pour faire défiler les armes, vous voyez, les catégories d'armes à gauche de l'écran. On ne peut emporter que deux. Deux armes d'une même catégorie. Vous voyez, tube de fer. Ah ben là, elles sont même pas, regardez. Vous voyez, elles étaient sur deux emplacements. Voilà, l'un en dessous de l'autre. Alors que pourtant, vous voyez, si par exemple j'ai deux fois la même sorte d'arme, vous voyez, comme là, le tube plus le bout de fer, on va dire, et ben, regardez, si je laisse enfoncer et que là, je vais vers le haut ou vers le bas pour passer à une autre arme, il va en laisser tomber une, celle dont je suis équipé, manifestement. Ça aurait été mieux que ce soit le contraire, hein, quand même. Voilà. Parce que des fois, ça nous oblige à réappuyer quand on veut pas laisser tomber cette sorte d'arme. C'est un petit peu foireux, hein, le système de... Enfin, non, c'est pas ça. Mais c'est un petit peu relou, voilà, le système d'inventaire. Ouais, la caméra, ok. Parce qu'on est sans arrêt en train de passer d'une arme à l'autre, vous voyez. C'est bien fait, hein, sinon. Mais regardez, là, dès que je ramasse une arme qui est contenue dans une caisse en bois, par exemple, eh ben, il va en être équipé direct. Et si je veux me battre à main nue, vous voyez, comme là, eh ben, je dois sans arrêt appuyer sur la touche triangle, vous voyez. Quand j'en ai deux, je passe de l'une à l'autre. Quand j'en ai qu'une, parce que si je veux repasser à une autre sorte d'arme, il la laisse tomber, vous avez vu. Eh ben, quand j'en ai qu'une, eh ben, je passe de main nue, vous voyez, comme là. Ou touche... oula, un petit lag. Ouais, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Un petit ralentissement, ça fait plaisir. Alors, ça, je suis pas obligé de le faire, hein, détruire, mais normalement, ça me fait des points. Vous voyez, là, ma carte magnétique bleue a disparu. Parce que ça, c'est vraiment les tout premiers ennemis du jeu. Il y en a de différentes sortes. Voilà, avec en haut à droite de l'écran, mes points de vie en orange. Et là, je l'attaque au couteau, vous voyez. Les armes sont plus puissantes. Mais attention, elles sont toutes en nombre très limité, quoi, voilà. Vous voyez, le couteau, je peux emporter que 6, les grenades, je peux emporter que 9, et quand j'en ai 9, donc quand je suis au maximum, en fait, ouais, bien, le Medipack, et ben, je suis obligé de... Oula, j'ai fait un saut périlleux, ouais, et contre le décor, mais c'est bizarre. Je veux avancer, il fait un truc comme ça. Moi, je vais vous montrer les sauts et tout. Alors, est-ce que je l'ai, ça? Voilà, ça, c'est le gun au coup par coup, vous voyez, qui tire comme ça, au niveau de la cadence de tir. Sinon, on touche R1 pour passer en mode... Vu semi-FPS comme ça, on pourrait dire vraiment vue intérieure. Et ben, pour viser de façon plus précise, vous voyez, comme ça. Ça, c'est pas mal, hein, quand même, franchement. Alors, est-ce que j'avais deux pistolets? Voilà, ça, c'est l'Uzi, vous voyez. Ok. Donc là, je suis obligé d'en sacrifier un. Vous voyez, je vais sacrifier celui-là, encore une fois. Et attention, parce que toutes les armes... Bon, pour les flingues, c'est les munitions. Et, mais même les armes blanches... Les armes pour frapper, etc., comme le couteau, regardez. Eh ben, les armes sont plus puissantes, ça c'est évident. Mais elles se détruisent au fur et à mesure. Et oui, une fois que vous en avez une, c'est pour ça que vous pouvez en porter plusieurs. Dans le cas du couteau, par exemple, vous pouvez le couteau, c'est bien parce que c'est à la fois une arme de corps à corps et à la fois une arme de lancer. Encore une fois, en passant dans cette vue, vous voyez. Là, si j'appuie sur la touche de frappe, au lieu de faire ça, il va le lancer, comme on a fait tout à l'heure, là, sur l'ennemi éloigné. Mais, encore une fois, c'est vous frappez 5 ou 6 coups, ouais, comme ça, c'est nickel. Ok, ça m'en fait 2 maintenant. Il faut sans arrêt détruire les caisses, hein, dans ce jeu pour avoir les armes. Même si là, je vais... moi, je préfère combattre uniquement à main nue, vous voyez, comme ça. Touche triangle pour sauter, carré plutôt. Vous voyez, sinon, je fais des sauts arrière comme ça. Hein, et sinon, touche gauche et droite, ça, c'est vraiment pas mal. Les roulades, comme ça, voilà. Mais c'est la touche de saut, avec les touches gauche et droite en même temps. Sinon, je fais un saut comme ça, vous voyez, ou sur place. Et je fais du sur place, excellent. Et touche croix, pour donner des coups de poing, vous voyez, 3 coups. Normalement, faut voir si je vais plus vite. Normalement, il finit avec un coup retourné. En même temps, si j'appuie sur la touche arrière en même temps, ça fait un coup vers l'arrière, un petit peu comme dans Tenchu 2. Vous voyez, il finit par se retourner lui-même, mais là aussi, c'est pareil, c'est pas très pratique. Touche rond, coup de poing, vous voyez, avec le coup retourné à la fin. Là, par contre, ça marche pas, le arrière plus rond. Touche triangle, donc c'est pour passer d'une arme à l'autre, encore une fois, la ranger, la dégainer. Voilà, des fois, la caméra se rapproche un petit peu quand on touche pas à la manette, ou des fois, ça le fait très rapidement. Ou elle tourne autour du perso, voilà.
Touche L1, ça sert à rien manifestement. Touche R2, c'est pour les actions, hein, normalement pour manipuler les ascenseurs, etc. Touche L2. Ah tiens, c'est bizarre, ça sert à rien là non plus. Bah, y a peut-être un truc pour la jauge de spécial, parce que ça, je sais pas comment ça marche. En haut à droite de l'écran, regardez, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, touche plutôt jauge orange, c'est la jauge de vie. Mais en dessous, quand on frappe les ennemis uniquement, ça marche pas avec les éléments à détruire. Sinon, ça nous rapporte du fric, mais j'ai pas compris à quoi ça sert. C'est certainement le score, hein, c'est tout. Regardez, un gros balèze avec une lance. Regardez, en haut à droite de l'écran, la jauge bleu ciel là qui se vide. C'est la jauge de furie, mais je sais pas à quoi ça sert, franchement. Je crois que quand elle est à fond... Peut-être que ça nous rend plus puissants, on est capable de faire d'autres coups, j'en sais rien. Mais oui, le jeu a été traduit en français, hein, vous voyez, même au niveau des voix, comme tout à l'heure. Il n'y a pas une hache là-dedans, là. Voilà, on va voir, il y a vraiment des... Oh, quel talent, excellent. Je m'en rappelais, vous voyez. Donc je vais plutôt lâcher lâcher du lest. Voilà, je vais plutôt lâcher le truc en fer. Alors, quelques pièges, hein, de temps en temps, vous voyez, comme là. On a des... je sais pas si je pourrais y aller, là. Non. Vous voyez, des plateformes qui aplatissent un peu plus tard dans ce niveau. Alors, je sais plus combien il y a de niveaux, il y en a peut-être une dizaine. Mais le premier, il est bien assez loin, hein, quand même, franchement. Et puis, j'ai envie de dire, c'est un jeu. Mais rappelez-vous, j'aurais dû commencer par ça, hein, dans ma vidéo, mais bon. Rappelez-vous ce que c'était que le premier... sinon, la jauge bleue foncée qui a déjà disparu, c'est la jauge de points de vie de l'ennemi. Voilà. Alors, à chaque fois, quand on rentre dans une zone, on doit sans arrêt attendre que les ennemis... Regardez, vous voyez, on le voit à la troisième jauge en haut à droite de l'écran, là. Bon, ça, c'est vraiment les premiers ennemis. Ils sont très... très peu résistant, et c'est toujours le dernier qui possède la clé, hein, tu peux y aller. Ce sera toujours le dernier que tu tues, voilà. Ah, c'est marrant ça, un tutu. Et ben, ouais, c'est pas un ennemi en particulier qui possède la clé, ce sera toujours celui que tu kills en dernier, d'après ce que j'ai pu constater. Moi, je sais pas ce que c'est que cette jauge en haut à droite de l'écran qui se remplit, mais c'est extrêmement dur de la remplir à fond. Alors, vous voyez, des fois, il y a des messages, ouais, des emails, des messages personnels, Lucy Stillman, excellent, qui concerne les employés et tout, on doit enrayer la menace terroriste, hein, comme d'habitude, vous voyez, au niveau du scénario, je vais pas trop m'étendre là-dessus, parce que j'ai pas tout compris, de toute façon, comme d'hab, et c'est prétexte au gameplay, hein, j'ai envie de dire, ouais, un coffre, là, normalement, il y a clé en rouge, voilà, et plus une autre clé en bleu, qu'on ne connaissait pas, vous voyez, il y a des motifs sur celle-là, et l'alarme qui retentit, voilà, on dirait des ninjas, un petit peu, et donc, après, il y aura des créatures, un petit peu, trois sortes de clés, là, c'est assez énorme, quand même. Il y aura des espèces de créatures mutantes, hein, qui ressemblent à des créatures élevées dans des cuves et tout, hein, le gros cliché. donc voilà, bon, sinon faut pas oublier que c'est un jeu PlayStation comme d'habitude. Là, je suis passé au travers de l'ennemi, là, vous avez vu, il est freeze. C'est énorme. Oh, c'est excellent, sérieux. Alors ça, des trucs, ça arrive. Des trucs comme ça arrive pas tous les jours. Est-ce que je vais l'achever comme ça? Ouais, bien, coup de pied sauté sinon, vous voyez. Et coup de poing sauté aussi, sinon. Sinon, on peut vraiment varier ses coups, pas seulement avec les touches croix et rond. On peut mélanger les deux, même les trois avec la touche de saut. Regardez, je vous montre un exemple. Si je ne fais que mitrailler la touche croix, il fait ça, il avance en même temps, vous voyez. Ça, c'est un coup à prendre quand on se bat et tout. Dommage qu'il n'y ait pas de touche pour se retourner rapidement, sinon ça va, il est assez rapide, entre guillemets, on pourrait dire. Ah oui, touche L2, c'est ça, regardez. Mode verrouillage, entre guillemets. Là, je bouge dans toutes les directions et il reste verrouillé... comme ça, vous voyez, ça c'est pas mal non plus. Même si je l'utilise pas forcément, hein, de même que ça, donc voilà. Donc voilà, est-ce que... Ah, voilà, les presses. Voilà, les presses hydrauliques. Qui, vous voyez, on doit y aller, là, sur le tapis roulant, cette fois-ci. Alors, des fois, on a un petit peu ce même genre d'ordinateur, sauf qu'on peut pas les détruire. En appuyant sur la touche de coup de poing, donc la touche X, ça touche action aussi, sinon, et ben, ça permettra d'ouvrir des portes. Il y aura marqué ouverture de porte en cours avec une jauge. En fait, c'est un temps de chargement. Voilà, tu vois très clairement que l'action se stoppe, que le héros, on est en mode pause, quoi. Hein. Ça se voit, c'est un temps de chargement à peine camouflé, j'ai envie de dire. Voilà, allez, on y va. Mais comment on passe déjà? Oula! Parce que là, je pouvais pas passer... je pouvais pas passer différemment, là, j'ai envie de dire. Voilà. Des fois, sinon, il y a des ennemis qui nous balancent des grenades. Hein. Des fois, tu les entends tomber sur le sol, ce genre de truc. Sinon, il n'y a pas de musique. Vous voyez, dans les... Je vous parlais de tellement de choses à la fois. C'est un petit peu horrible. Oui, c'est pas un jeu que j'ai adoré, hein, je vous le dis. C'est un jeu que j'ai connu à l'époque, hein, quand j'avais la PlayStation. Mais en même temps que les grands jeux, genre Tomb Raider et tout. Mais autant le premier, j'étais très fan. Et bien alors, il en manque un, là. Bah, je les ai pas toutes... Je les ai pas toutes ramassées, malheureusement. Vous voyez, là, je me laisse pas tomber, parce que on se laisse tomber de très peu, et encore une fois, il perd beaucoup de vie, donc ça, c'est un truc auquel il faut faire gaffe, mais manifestement, faut... faut faire quoi?
Comment ça se fait que j'ai pas ma carte bleue? Ah putain, c'est vrai, c'est fourbe. Je viens de me rappeler. On va la voir bientôt, hein, normalement. Et voilà! Des fois, elle est dans les caisses. Ça peut arriver que des fois, on est bêtement coincé pour un détail à la con comme ça, ouais. C'est pas toujours les ennemis qui les ont. Donc, ouais, qu'est-ce que je voulais dire, sinon? Oui, j'ai adoré le premier Fighting Force, hein, si vous vous rappelez. C'est, ou sinon, au cas où vous auriez pas vu ma vidéo, parce qu'elle date quand même un petit peu, c'était jeuxvideo.tv et tout. Et bah, oh putain, trois ennemis à la fois! Donc là, dans ces cas-là, n'hésitez pas à sortir les armes, sérieux. Surtout que c'est très dur de toucher plusieurs ennemis à la fois, quand on y va comme ça, même avec une arme, même quand on fait des coups, vous voyez, circulaires comme ça. Même ça, ça ne touchera qu'un seul ennemi à la fois, hein, donc n'hésitez pas de sortir les grenades. Là, vous êtes sûr de toucher plusieurs ennemis à la fois, par exemple. Donc, est-ce que ça, c'est encore un truc à détruire? Voilà, des fois, ça nous... Là, on doit détruire les couper l'alimentation ou ce genre de truc. Vous voyez, on est chez nos ennemis, donc... on doit leur couper leur moyenne... Voilà! Téléportation grâce à mes pouvoirs magiques. Bon, là, on se retrouve là où j'ai arrêté le jeu, hein, j'ai envie de dire, avant de... Quand j'y ai rejoué un petit peu. Avant d'en faire, parce qu'il fallait que je me remette dans le bain, hein, normalement, à chaque fois. Oui, j'ai laissé tomber toutes ces armes. Et l'épée, hein, vous voyez? Ça, c'est énorme, le katana. Et donc, oula, peut-être pas les grenades, là. C'est la première fois que je le trouve. Sinon, il y a un Power Glove, hein, aussi, comme une upgrade, qui nous rend plus puissant au corps à corps, qui change nos combos et tout. Ouais, donc regardez comment on change, les... il y a eu un freeze, là. Hein. J'ai pas compris ce qui s'est passé. C'est le PC, hein, il a freeze tout, il y a plus rien qui répondait. J'étais obligé de faire une déco sauvage. Donc, c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton... sur le bouton power off et voilà quoi, de redémarrer comme ça. Heureusement c'est bon, hein, ça a pas foiré la vidéo ni rien. Je disais qu'on était chez nos ennemis et tout, mais on s'en branle quoi. Donc ouais, ça change nos coups. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, on fera un coup sur le sol. Vous voyez, qui est plus puissant normalement, peut-être que ça rend nos attaques... Donc là c'est de la découverte, hein, j'ai jamais fait ça. Voilà, parce que quand j'y jouais et tout, ça on est au niveau 2 là. Voilà. Le niveau 1 se termine par un boss. Donc voilà, c'est des mines ça, non? Voilà, j'ai bien réussi à passer au travers. Vous voyez, les ennemis sont beaucoup plus résistants quand même. Ces ennemis en vert, je connaissais pas. Prends sa saloperie, je lui laisse même pas le temps de se relever. Les ennemis en mitraillette, c'est les plus relous, ils font des dégâts monstrueux. Oh putain, là, il y a un monstre dans les cuves! Ah ben regardez, il y a un ennemi en mitraillette là. Il fait équipe avec les deux autres. Vite là! Putain, là j'aurais bien aimé avoir le Power Glove, je vais peut-être prendre ça là. Va falloir le couteau, ça va pas aller mieux là. Oh mais, c'est énorme là! Ah oui, le couteau, il permet d'attaquer en avançant, hein, normalement. Regardez, vous voyez, comme là. Vous avez vu comme j'empale les ennemis et tout. Alors, j'aimerais bien me débarrasser de lui. Oh putain, j'ai réussi à toucher l'autre ennemi, c'est assez rare quand même. Ouais, j'aimerais bien expliquer aux gens, là, j'ai détruit un couteau, vous voyez. Bon, alors, est-ce que je peux me soigner là-dedans? Vous voyez, des fois, il fait un coup de pied comme ça, hein, vers le bas. Quand c'est un grand ou un petit. Voilà, enfin, quand c'est un truc à détruire, voilà. Des fois, il fait ça. Ou des fois, il... Ouais, bien, le flingue. Des fois, regardez, comme là. Non, il veut plus. Bon, ça m'a fait perdre le fil, hein, toutes ces conneries. Voilà, des fois, il laisse tomber des trucs et des fois, non. Bon, qu'est-ce que je disais de mieux, là, au niveau du jeu? Oui, regardez, voilà, vous voyez? Ça, c'est énorme, quand même, de pouvoir attaquer en avançant comme ça. C'est la seule arme, hein, qui permet de le faire, donc voilà. Bon, vous voyez, des trucs sympas, quand même, dans ce jeu. Alors, vous avez vu ce que c'est, hein, vous avez compris le truc, c'est un petit peu un espèce de mélange entre jeu d'action, TPS et... Et Beat'em All, puisque le premier Fighting Force... Ah, j'ai pas de... Où est-ce qu'elle pourrait être? Est-ce que je peux pas détruire ça, là? Parce que quand il y a des grilles, en général, on peut les détruire. Hein. Je vais prendre la grenade. Comme ça, je serai sûr de détruire à la fois la mine et à la fois... Voilà, bien! C'est énorme, c'est exactement ce que je voulais. À la fois la grille. Ouais, vous voyez, des fois, c'est quand même assez sympa, hein, sérieux. C'est un jeu qui vous fera passer un bon moment. L'espace de 30 minutes, hein, j'ai envie de dire. Oui, parce que moi, sinon... Au bout d'un moment, ça finit par un petit peu me gaver, c'est toujours un petit peu la même chose. Et c'est vrai que c'est un petit peu lassant au bout d'un moment, je trouve. Et puis surtout, le premier, il était vraiment bon, je trouve. C'était vraiment un excellent beat'em all, à plusieurs, voilà. Où on avait 4 personnages... Oh putain, non! Je l'avais pas vu. Mais quand on est enflammé, on perd des dégâts graduellement, vous voyez, pendant un moment. Ça, c'est vraiment chiant. Voilà, sinon, on détruit les... Qu'est-ce que c'est que ça que j'ai... Oh, le Power Glove! Regardez, on le voit, là. Ma main droite. Et il y avait des éclairs, vous voyez? Des éclairs bleus, là. Et voilà, maintenant, mes coups ont changé, regardez. Vous voyez, je suis plus lent, normalement. Et normalement, en faisant ce coup-là, si je dis pas... Voilà, c'est le coup dont je vous parlais tout à l'heure, en frappant sur le sol. Et ça, comment on le fait? Eh ben, avec 2x croix, plus carré, la touche de saut. Et oui, oh putain, mais c'est énorme. Ça détruit tout,
tout environnant. Sinon, regardez, deux fois croix plus la touche rond. Voilà, ça fait deux coups de pied plus la touche carré. Deux fois rond plus la touche croix. Voilà, deux fois rond plus la touche carré. Voilà, mais le timing est... c'est un coup à prendre, hein, sérieux. Mais c'est pas mal, vous voyez, ça varie les coups. Ça me fait un petit peu penser à Fighting Weapon. Ou pas. Oula, il a frappé son petit camarade, vous voyez. Ah oui, effectivement, on est largement plus puissant, là. Il y a eu un espèce de flash blanc. Ah ouais, c'est clair, on leur fait des dégâts monstrueux, là. Ouais, est-ce que je peux vous montrer les cuves? Non. Ouais, on peut détruire les caisses en sautant dedans, sinon c'est assez énorme. Ouais. C'est un vrai jeu de cache-cache, hein, des fois, pour trouver les clés et tout. Donc, non, mais c'est pas ça que je veux... voilà. Que je veux laisser tomber. Ouais, je suis obligé de rappuyer une deuxième fois pour laisser tomber celui-là. Encore une fois, c'est un petit peu relou. Oui, donc, oui, ça s'appelle vraiment le Power Glove, hein, normalement. C'est assez énorme. Peut-être un clin d'œil par rapport à ça. Et donc, 438 000 dollars. Et bien, comme ça, je suis riche. Mais je suis déjà venu ici, là. C'est cassé. C'est détruit, là. Putain, je m'y perds avec tout ça. C'est du grand n'importe quoi. Sinon, on touche Start, hein, vous voyez, pour revoir les objectifs de mission et tout. Touche Option. J'ai l'impression que les points de sauvegarde, quand le jeu sauvegarde le jeu, j'ai l'impression que c'est uniquement quand on a fini un niveau. Donc, si jamais on se fait tuer et qu'on doit recommencer tout le niveau, c'est long, quand même. Hein, donc, le premier niveau, il se finit pas en 10 minutes. Hein, donc, ouais. Après, on finit par un boss, hein, je vous le dis. Un espèce de gros balèze qui nous parle. Il nous dit je sais pas trop quoi. Et, non, pas quitter. Je veux continuer. Voilà. Et eh ben c'est... voilà, il a un espèce de gros marteau qui le met dans un espèce de forgeron. Ouais, manifestement, c'était bien là d'où je venais. Donc, ouais, je pense que je vais pas tarder à vous laisser là. Hein. J'ai pas non plus grand-chose à vous dire sur ce jeu. Le premier Fighting Force, c'était un beat'em all en 3D. Et c'était vraiment excellent, sérieux. Moi, c'est l'un de mes jeux que j'ai vraiment adoré sur... peut-être pas le plus apprécié, mais... ouais, vous savez, quand on se relève, des fois, il fait un coup de pied qui... Oh, ben, oula, ben, lui aussi, il fait un coup de pied qui... comme j'ai fait maintenant, là, vous voyez. Putain, c'est énorme, il était même par terre, il a pris les dégâts à notre place. Oula, il nous fait reculer correct. Oui, des fois, on a du mal à toucher nos ennemis, hein, puis des fois, c'est vraiment le gros bordel, quand on est à plusieurs comme ça. Bon, c'est... on n'arrive pas toujours à toucher nos ennemis et tout. Bon, ben, ouais, je pense que je vais vous laisser là, sérieux. Je vais poser la main... Oula, peut-être pas maintenant, sinon je vais me faire kill. Ou sinon je pourrais me laisser tuer, hein, mais bon, on s'en branle, prends ça saloperie. Je vais balancer un petit peu des grenades partout pour vous montrer le bordel et tout. Et donc voilà, moi c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Mais d'abord, finir par un point très important. Ouais, à chaque fois qu'on balance une grenade, il faut la reprendre, vous voyez, avec la touche triangle. Alors, est-ce que je vais réussir à toucher cet ennemi de merde? Oh, puis bien, la réaction en chaîne, c'est ce que je voulais faire. Ouais, nickel. Vous voyez, à chaque fois, on doit reprendre la grenade pour les balancer marteau à droite, vous voyez, une espèce de masse. Boris, passe-moi une masse. Prends ça, moi j'ai appelé l'auto club. Prends ça, saloperie. Je vais attendre qu'il se relève. Sinon, je vais prendre mon... Vous voyez, pour changer d'arme comme ça, c'est pas évident. Surtout que ça met pas le jeu en pause, hein, vous avez vu. Ouais, bien, j'ai l'impression qu'elle est plus puissante. On voit rien, c'est le bordel. Ouais, bien, la carte bleue. Excellent, comme à la banque. Fallait que je la fasse. Ouais, c'est... Ah, mais l'épée aussi, ça permet d'attaquer en avançant. Nickel. Et donc, bah ouais, voilà, c'était un beat'em all en 3D, où il y avait 4 personnages jouables, encore une fois, le gros balèze, la montagne de muscles, Hawk, que j'avais pris dans ma vidéo, hein, je crois, parce que c'est le personnage que je prends toujours, un personnage équilibré et tout, et les deux filles, voilà, qui avaient des coups différents et tout, vous pouvez jouer à deux, c'était vraiment énorme, mais c'était vraiment du beat'em all un petit peu old school, hein, genre Street of Rage et tout, mais en version 3D, et moi j'ai bien aimé le premier, et là, bah, vous voyez que ça a rien à voir, voilà, c'est des niveaux qui sont vastes, qui sont très longs, et là, ça se rapproche plus à du TPS basique, hein, vraiment des TPS traditionnels, avec les niveaux et tout, les objectifs à accomplir, les armes. Ouais, y a toujours cette dimension arme à utiliser et combat à main nue, vous voyez. Mais pour moi, ça n'a rien à voir, c'est pas un beat'em all. C'est un jeu d'action, je trouve, avec des armes et tout, aspect futuriste, un scénario, voilà. franchement, d'habitude, surtout sur PlayStation avec les Tomb Raider, entre autres. Quand t'as une suite d'un jeu, donc un épisode chiffré, par exemple Tomb Raider 3, etc., ben à chaque fois, ça reprend la même recette, quasiment le même moteur et tout, mais avec quelques améliorations, quelques petits changements, mais foncièrement, ça reste toujours la même chose, quoi, je veux dire. Tomb Raider, c'est toujours jeu d'aventure, exploration, etc., plateforme, tu le reconnais, quoi. Alors que là, tu peux difficilement trouver un jeu, une suite... si différente de son, euh,
de son épisode précédent. Et ouais, premier épisode, Beat's and All, deuxième épisode, jeu d'action TPS. Oula, y a pas un souci là? Bah ça arrive que des fois les jeux, même si c'est une suite, c'est complètement différent du précédent. Ça arrive, mais c'est rare. Mais là, franchement, bah j'ai moins aimé, voilà. Mais c'est quand même pas mal, hein, franchement, on s'amuse. Y a pas d'énormes défauts, je trouve. Non, c'est quand même un jeu sympa, mais encore une fois, aller jusqu'à la fin et faire toujours la même chose comme ça, vous voyez, ramasser les clés, détruire les caisses. Mais sinon, c'est pas mal. J'aime bien, quand même, franchement. Il y a quelques défauts d'interface, hein, encore une fois, comme le fait de devoir à chaque fois virer une arme quand on en a deux, voilà, quoi. Bon, ben, voilà, je pense avoir à peu près tout dit, hein, sérieux. Encore une fois, c'est pas un jeu que je connais extrêmement bien. Donc, c'est pour ça que j'ai pas fait les autres niveaux, hein, même à l'époque. Je me rappelle, c'est un jeu, j'y ai joué, mais voilà, avec les fameux distributeurs, avec des canettes de coca. C'est dommage que le jeu a planté, même le PC. Et que j'ai pas pu vous montrer ça, les distributeurs avec des canettes de soda à l'intérieur pour les boire. Je sais, je vous en avais parlé dans une précédente JVTV. En tout cas, voilà. C'est un jeu, non, qui est quand même sympa, mais franchement, c'est pas un jeu c'est un jeu qui, je pense, devient lassant au bout de quelques minutes. Voilà. Bon, encore une fois, je sais pas combien il y a de stages, mais il y en a au moins une dizaine, hein, donc c'est quand même relativement long, vous voyez. Peut-être qu'il y a des phases variées dans les prochains niveaux, mais encore une fois, j'y ai pas joué suffisamment pour vous le confirmer. Bon, mais voilà, c'était L4, hein, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, ben, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les gars. Et non, ce n'est pas fini, j'avais oublié quelque chose d'important. Bon, on va peut-être se laisser sur l'écran titre ou je sais pas quoi. Ouais, le 3, faudrait peut-être en parler, non? Voilà, quitter jeu. Ouais, je pense que je vais vous parler un petit peu de l'E3 2013, hein, qui vient de se dérouler, là, cette semaine. Sinon, j'aurais pu en parler la semaine prochaine, mais bon. C'est pas forcément la bonne vidéo pour vous en parler et tout, mais bon. Ouais, c'est vrai que là, c'est un petit peu joli. Je sais pas s'il va nous remettre la cinématique, ou peut-être une démo, où c'est l'ordinateur qui joue, on verra bien. Du gameplay. Ouais, bien, le soleil. Et donc, bah ouais, l'E3, ça s'est passé il y a quelques jours, hein, vraiment cette semaine. Et c'est pour ça que je vous en parle, je vais faire un petit peu comme l'année dernière avec Trivial Pursuit, normalement. Où j'avais dit, si ça atterrit sur le 3, je vous en parle. Et ah ouais, c'est ça, apparemment il va y avoir du gameplay. L'eau à dingue, excellent. Ça rappelle les jeux sur Amstrad et tout. Mode démo, c'est ça. Oh, mais il a vraiment aucune arme là, vous voyez, il est à poil et tout. On va voir comment il joue, comment il se démerde. Oui, des fois les ennemis sont un petit peu stun, hein, quand on les frappe. Le gars qui va commenter ce qui se passe à l'écran. Oh putain, mais lui il rigole vraiment pas avec sa grosse hallebarde. Bien! Détruire, quel style! Ben, il en. Moi, je peux aller me rhabiller. Prenez sa bande de saloperie! Oh! Eh ben, il en. Pas mal. Ouais, donc, ouais. Le 3. Je vais en parler un petit peu. C'est l'avantage de faire une vidéo PlayStation, hein, j'ai envie de dire. Parce que là, j'avais vraiment. On va laisser comme ça. Hein, en espérant que ça va pas. Faut voir si je fais commence. Ouais, mais ça va me remettre la vidéo et tout, là. Parce que je suis troublé par les mouvements du... Ben voilà, on va rester sur cet écran. C'est un petit peu bidon, mais bon. J'ai pas envie que ça bouge dans tous les sens et tout, que ça explose et que... j'ai besoin d'être tranquille, voilà, pour vous en parler. Ouais, si ça avait été une vidéo sur console de salon, j'aurais difficilement pu reprendre. Parce que j'aurais éteint la console et tout. Moi, dès que j'ai fini la vidéo, j'arrête, hein, donc je ferme le logiciel et tout. Alors que là, c'est super simple, hein, tu relances Fraps, tu relances l'émulateur. Et j'ai eu la bonne idée de sauvegarder là où je m'étais arrêté. Donc c'est pour ça que j'avais repris au même moment et tout. Bon, donc, ben ouais, l'E3, c'était un E3 qui était différent des autres. Hein, en ce sens que c'était la première fois... Depuis des années, où ils nous ont présenté des nouvelles consoles, bah ouais, hein, c'est ça, c'est pour la première fois depuis longtemps, on a eu, bah pour la première fois tout court en fait, on a eu la présentation des consoles 12e génération, c'est ça? Non, je sais plus à laquelle on est, mais en tout cas, voilà quoi, les prochaines qui vont arriver, les successeuses des consoles actuelles PS3 360 qui vivent leur dernier mois, là, hein, ça y est, hein, donc la Xbox One, Microsoft et la PS4 chez Sony. Donc, bah, qu'est-ce qu'on a eu cette année? Franchement, de temps en temps, ça fait pas de mal, hein, sérieux, d'être optimiste et de dire que pour une fois, c'était pas si pourri que ça, voilà. Et de dire que ça aurait pu être largement pire et que c'est pas de la merde à chaque année, voilà. On va pas toujours dire les mêmes choses. Il y a un moment, faut arrêter d'être pessimiste, j'ai envie de dire, et de toujours prendre les choses.
de dire que c'est de la merde à chaque fois, voilà. Parce que, soyons clairs, cette E3 2013, il n'était pas phénoménal non plus, hein, franchement, mais il y avait quelques bonnes surprises, des trucs qui nous ont mis sur le cul et tout. Puis, de toute façon, rien que le fait qu'on ait eu la Xbox One et la PS4 qui nous ont été présentées pour la première fois, ben rien que pour ça, ça valait le coup, voilà. C'était, encore une fois, c'était les premières fois, hein, on a eu les premières infos et tout. Je reviendrai pas sur les DRM et ce genre de conneries. Moi, j'en ai déjà parlé, hein, de toute façon, quand on avait, dans mes interviews, ce genre de trucs, quand on avait... Et je vous en parlerai certainement plus en détail plus tard. Donc là, pour l'instant, je vais juste me concentrer sur les détails de chaque conférence et les points que moi, j'ai retenus. Il n'y en a pas beaucoup, hein, vous allez voir, surtout les jeux qui ont fait le plus sensation, je pense, cette année. Bon, alors on a commencé avec Konami. Ils se sont pris quelques jours à l'avance, hein. C'était pas vraiment une conférence Konami, mais c'était une conférence pré-E3, en fait, on pourrait dire, c'est eux qui ont ouvert le bal, on pourrait dire. Mais sinon, Microsoft, ils avaient déjà annoncé leur console et tout quelques semaines avant l'E3, hein, voilà. Ils avaient fait une conférence Xbox One, on pourrait dire, où là, ils ont annoncé la console avant leur conférence de l'E3, vous voyez. Et sinon, pour l'E3, ils ont préféré se concentrer sur les éditeurs, les jeux, etc., voilà. C'était pas plus mal, j'ai envie de dire. Alors que Sony, eux, ils ont vraiment annoncé leur console, montré le design et tout. Oui, machine à raclette, on est au courant. que, de toute façon, à chaque console qui sort, c'est la même chose. Hein. C'est un radiateur, c'est un grille-pain, tout y passe. Hein. C'est énorme. Bon, chacun aura son avis, mais moi, je m'en branle, hein, sérieux, de l'apparence. C'est surtout ce qu'elle a dans le bide et surtout les jeux, voilà, qui m'intéressent le plus. Les jeux qu'elle va proposer. Donc, Konami. Ben voilà, hein, Metal Gear Solid 5, la nouvelle voix de Snake, Kiefer Sutherland, hein, donc Jack Bauer dans 24 heures chrono. C'est lui qui fait la voix de Snake en VO, à la place de David Hayter, hein, c'est plus lui, voilà, on était au courant, hein, nos craintes sont fondées malheureusement, et malgré ses posts sur Twitter, hein, j'espère que je garderai ma voix, et ben non. Il aura peut-être un rôle, hein, dans MGS5, Phantom Pain, mais en tout cas, ouais, c'est une nouvelle voix, hein. Pourquoi ? Ben, un petit peu pour la même raison que Lara Croft, hein, dans le dernier Tomb Raider, parce qu'il a pas le même âge, voilà, là, Lara Croft a été plus jeune, et là, ben, il est plus vieux, voilà. Mais c'est bizarre qu'il... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Le temps n'est pas plus vieux ! Il fait très beau dehors, dédicace aux connaisseurs. Eh ben, c'est bizarre qu'ils aient pas gardé la voix de Big Boss, je sais plus le nom du doubleur, je m'en rappelle plus, dans MGS4, parce qu'il avait déjà une voix, hein, différente, donc... dans MGS4. En tout cas, voilà, on verra bien si ça lui va bien ou pas, mais en tout cas, voilà, ils ont montré des interviews et tout. I'm so excited, comme d'habitude. Ils disent toujours les mêmes choses, c'est énorme. Voilà. Ils disaient qu'il était impressionné, etc. Ils ont fait appel à un réalisateur de films, etc. Ok. Lords of Shadow 2, aussi, hein, y a eu quelques annonces. Sinon, je pense pas qu'il y ait eu d'autres jeux de présentés, mais c'est vraiment les deux gros qu'on attend, hein, y a pas de souci. C'est toujours Mercury Steam, c'est toujours le même compositeur et tout. La musique était énorme, d'ailleurs, qu'on avait entendu dans le trailer. Ça a l'air d'être le digne successeur du premier épisode, mais faut pas que je m'étende... faut pas que je mette 20 minutes sur chaque conférence, là. Faut que je fasse un truc précis, là. Je me contente de ce que j'en pense et tout, on aura le temps d'en parler plus tard, voilà. On a vu que Gabriel, il se servait d'une épée, etc., voilà. On n'en sait pas forcément plus. Ensuite, donc, conférence. La première vraie conférence de l'E3, donc c'était Microsoft. Donc, les jeux qui ont le plus retenu mon attention, je ne parlerai pas des annonces et tout. Hein. Ça, c'est vraiment les jeux uniquement dont je vais parler là maintenant. Les deux jeux qui ont fait le plus sensation durant cette conférence, pour moi, c'est MGS5. Ils ont commencé avec ça. Voilà, on en avait déjà vu dans la conférence de Konami dont je viens de vous parler. Là, c'était plus du gameplay et tout. Hein. Il y a une séquence genre... Call of Juarez, voilà, ou Red Dead, avec les chevaux et tout, ok, si vous voulez. donc voilà, c'était assez impressionnant quand même. Donc voilà. Et l'autre jeu qui a fait le plus sensation dans cette conférence, c'est, enfin, qui a le plus retenu mon attention en tout cas, c'est personnel, hein, vraiment, ce que je vais vous dire, c'est The Witcher 3, voilà. Mais c'est parce que c'est The Witcher, et parce que je sais que ça va être une tuerie et tout. Et donc voilà. Bon, next, Electronic Arts, normalement, là je base sur des souvenirs, hein, le post que j'ai fait sur Facebook et tout, je vais me contenter de redire ce que j'ai dit sur Facebook, hein, donc ceux qui me suivent sur Facebook, ils ont déjà mon ressenti, j'ai envie de dire, voilà. Et ben, donc ensuite c'était Electronic Arts, ah merde, je me souviens plus des noms des jeux, fait chier, c'était Battlefield 4 et Mirror Edge 2, hein, voilà, qui ont fait le plus plaisir, hein, BF4, parce que c'était vraiment...
Bah, c'était très impressionnant, voilà. Ça reste du TPS bourrin de guerre et tout, et moi j'aime pas ça, vous le savez. Mais c'était spectaculaire, voilà, ce qu'on voyait, c'était énorme. Le jeu à 60, etc. Soi-disant 60 FPS aussi. Mais là, je parlais de 60 personnes en même temps, hein, donc voilà. La tour qui s'effondre, le tank qui arrive, la map hein, qui est super vaste et tout. C'est vrai que ça en mettait plein les yeux, voilà. Et Mirror Edge 2, bah, parce que beaucoup de gens le demandaient, voilà. Moi, je m'en fous, voilà. Moi, personnellement. Ensuite, c'était quoi? C'était Ubi. C'est quoi leur jeu? Merde, le MMO. Le MMO d'action, là. Celui-là aussi, il était impressionnant, quand même. Franchement, mais là, c'était plus technique, hein, je veux dire. Les cartons, le sol, les voitures, c'était super bien fait, quoi. C'était presque photoréaliste, le truc. Alors que moi, je regardais ça avec du streaming pourri, donc. Donc sur un écran HD, encore une fois, ça doit en valoir le détour. J'avais l'impression que c'était super bien fait, encore quand même, niveau technique. Mais sinon, voilà, quoi, c'était un MMO genre TPS. Pourquoi pas, hein. Nouvelle franchise, normalement. Et c'est tout, je me souviens plus c'est quoi, hein, dans les jeux d'Ubisoft, il n'y a que celui-là qui a retenu mon attention. Après, Sony, là, c'est encore mieux, il n'y a aucun jeu qui a retenu mon attention. Voilà, parce que c'était du truc qu'on a déjà vu... On a déjà vu ailleurs, donc voilà quoi, Assassin's Creed 4, Watch Dogs, voilà. C'était pas des nouvelles annonces et tout, vous voyez, même FF15, je le retiens même pas, quoi, voilà. Ben pourquoi? Ben parce que c'est Versus 13, voilà, c'est de la connerie, franchement. Mais bon, ça aussi, c'est pareil, j'en parlerai un petit peu plus tard, ce que j'en pense du fameux FF15, hein. Bon, parce que là, il y a beaucoup à en dire, hein, franchement. Et donc, ben voilà, c'était un petit peu... C'était un petit peu dommage, hein, franchement, la présentation des jeux PS4. Il y avait aussi le nouveau FPS de Bungie, là, hein, qui ressemble vachement à Halo. Celui-là, je le retiens pas, hein, mais c'est juste pour vous le dire. Parce que ce qu'il a de commun avec Assassin's Creed 4, c'est qu'il y a eu des séquences où les gens sont montés sur scène pour jouer eux-mêmes, voilà. Pour nous montrer du vrai gameplay. Alors, le problème, ben, c'est qu'il y a eu des freezes, quoi. Il y a eu des séquences où c'était vraiment très mal optimisé. Ça la fout mal de présenter ça à l'E3, quand même. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes, t'avais un freeze de 2 secondes. Vraiment, hein, ça c'était bah, comme on a eu tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire où ça bougeait plus pendant les temps de chargement camouflés aussi de Fighting Force 2. Bah, ça bougeait plus, quoi. Ça répondait plus et ça arrivait véritablement toutes les 10 secondes, pendant 2 secondes. Donc bah, c'était assez embarrassant, quoi, voilà, pour eux. Mais bon, voilà, on se doute bien que le résultat final, ce sera pas ça, évidemment, hein, que je le sais, que c'est parce que c'est des versions même pas pré-alpha, donc voilà, quoi, que c'était un problème dû à la console. Il y avait un clipping de fou, hein, les textures se changeaient à côté du personnage, hein, dans Assassin's Creed 4, c'était assez horrible, quand même. Mais sinon, voilà, c'est pas mal, hein, ce qu'on vous a montré et tout, du gameplay, pourquoi pas. Ah, après, il y a eu le Nintendo Direct. Voilà, parce que Nintendo, ils ont préféré mettre les choses au clair déjà il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Ils ne participeraient pas à l'E3, ils font des Nintendo Direct régulièrement, voilà. Donc moi, je les suis pas, hein, la plupart du temps, mais j'ai regardé celui-là. Et ben voilà, au début, on avait l'impression que c'était du gros foutage de gueule, que Nintendo, c'était dead et tout, qu'ils faisaient que de la merde, que ça allait être encore plus pourri. Que les autres fois, mais là où ils ont assuré, c'est il y a deux jeux en particulier, on pourrait même dire trois en fait, qui ont retenu mon attention, parce que sinon c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, hein, quand même, comme choix de leur part. Les fans, ils attendaient quoi? Ben, des images du Zelda Wii U, voilà, ou du moins des informations. En matière de Zelda, ils ont pas montré ni ce jeu-là, ni le A Link to the Past 2, A Link Between Worlds, normalement. Ils ont préféré montrer des images de Wind Waker, un remake, donc voilà, quoi, et qui a pas l'air si différent que ça du jeu original sur GameCube. Puis franchement, si t'as envie d'y jouer, tu rebranches ta GameCube, voilà, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça. Bah, c'est comme tous les remakes, hein, de toute façon, faut pas dire ça uniquement pour Wind Waker. Tous les portages, voilà, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, le Mario, voilà, tout le monde attendait un vrai Mario, quoi, un jeu qui prendrait... qui ferait autant forte impression que Mario Galaxy en son temps. Ça, c'était un jeu que peut-être pas jamais vu, mais presque, quoi. Dans les Mario, en tout cas, c'était un vrai Mario 3D, et qui était maîtrisé, quoi, d'après ceux qui ont aimé ce jeu. Et là, ben, le Mario 3D de la Wii U, c'est quoi? Eh ben, c'est encore un jeu qui ressemble à de la 2D, quoi, voilà. Qui est beaucoup plus proche des New Super Mario Bros. Plutôt que de Mario Galaxy, quoi.
Donc ça déjà, ça peut être une déception pour les fans, même si moi, je parle pas pour moi-même, hein. Encore une fois, je m'en branle de Mario et Zelda, donc voilà quoi. Moi, Nintendo, c'est dead depuis longtemps. Hein. Non, je déconne, mais c'est vrai que je joue plus à leurs jeux depuis un moment. Sauf exception, hein, Metroid et Donkey Kong, quand il y en a. Tiens d'ailleurs, c'était quoi les deux jeux qui m'ont fait hurler, j'ai envie de dire, dans cette conférence, bah, surtout le deuxième dont je vais parler. En fait, le premier c'était X, hein, c'est le nouveau Xeno en fait, avec un monde ouvert où il y aura des mechas, etc. On ne sait pas si ça va rester, si ça va s'appeler X ou si ce sera Xenoblade Chronicles 2 ou je sais plus trop quoi. Enfin bref. Et l'autre, les deux jeux qui ont fait que cette conférence n'était pas, enfin ce Nintendo Direct n'était pas un foirage complet, j'ai envie de dire, ben l'autre, et ben c'est celui qui va me faire acheter la Wii U, voilà, tout simplement. Donkey Kong Country Returns 2, ou pas, hein, parce que c'est Donkey Kong Country Tropical Freeze, normalement, je sais pas pourquoi il s'appelle pas Returns, mais bon, c'est normalement c'est la suite, hein, on a vu les images, et au début, quand j'ai vu donc les premières images, donc Donkey Kong faire le con, etc., faire le Kong même. Voilà, facile. Un petit peu partout, des tonneaux, la musique, etc. Je me suis dit, ouais, ok, c'est juste le portage sur 3DS de Donkey Kong Country Returns. Et après, j'avais pas encore percuté, en fait. Et après, quand j'ai commencé à voir les girafes et tout sur lesquels on pouvait sauter, je me suis dit, c'est quoi ça? Et puis, quand j'ai vu la face sous-marine, Donkey Kong nager sous l'eau, j'ai hurlé. Mais vraiment, je vous jure, hein, j'ai fait, ah! Un truc comme ça. parce que j'ai compris que c'était Donkey Kong 2 et qu'ils avaient corrigé leur erreur précédente et qu'il y avait des phases sous-marines emblématiques des épisodes Super NES. Et voilà, je l'attends avec impatience et je le prendrai, bien sûr, il n'y a pas de souci. Et comme je le disais pendant la conférence et tout, ils vont réussir à me faire acheter la Wii U. C'est con, voilà. Donc, c'est con, ben, Nintendo, voilà. C'est con là. Voilà, c'est d'eux que je parle. Ils vont réussir à me la faire acheter, leur connerie de console, alors que je voulais pas. Mais là, c'est évident, hein, je peux pas passer à côté de Donkey Kong Tropical Freeze. Hein, j'ai tellement adoré le Returns. Donc voilà, hein, encore une fois, c'est pas seulement l'un des meilleurs jeux de plateforme de cette génération de console, mais l'un des meilleurs jeux de plateforme des 10 dernières années. Hein, donc voilà, Donkey Kong Country Returns, c'était vraiment l'un des meilleurs jeux de la Wii U, j'allais dire. De la Wii, hein, y a pas de souci. Bon, alors par contre, le problème, c'est que ça va faire mal au porte-monnaie, quoi, voilà. Parce que moi, non seulement je vais acheter la Wii U pour Donkey Kong Country Tropical Freeze, mais en plus, je vais acheter la PS4, voilà, c'est sûr, hein, maintenant, je l'achèterai. Donc, mais ça, encore une fois, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Je vous dirai pourquoi, etc., ce que j'ai pensé des DRM, ce genre de conneries. En tout cas, qu'est-ce que il y avait d'autre? Ah oui, Bayonetta 2, voilà, le troisième jeu qui avait fait sensation, enfin qui est pas trop mal, on va dire, sur dans ce Nintendo Direct, mais putain, quoi, les cheveux courts, c'est n'importe quoi, sérieux. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec les stéréotypes de la beauté ou ce genre de truc, hein, contrairement à ce que peuvent dire certains. C'est pas parce qu'on la trouve moins sexy comme ça, mais c'est parce qu'elle attaque avec ses cheveux, voilà, normalement, Bayonetta, donc... Et puis franchement, elle ressemble à rien comme ça. Faut le dire, hein, c'est n'importe quoi. Voilà. Et soi-disant un nouvel outfit, un nouveau costume, alors que... différent du premier, alors que j'ai pas forcément vu de différence, hein, mais bon. Voilà, pourquoi pas. Encore une fois, jeu exclusif à la Wii U. Mais moi, très honnêtement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, j'ai envie de dire, voilà. Bon, ben, c'est tout, hein, pour cette E3. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme point que j'avais... Ah oui, un point très important, dernier, avant que je vous laisse là. Un point très important pour cette E3. 2013 qui, moi, m'a fait super plaisir, vraiment. C'est pour ça que cet E3 2013, c'était l'un des meilleurs E3 depuis un moment, en fait. Pas seulement à cause des nouvelles consoles, parce que c'est la première fois qu'on nous en a parlé et tout, parce qu'on sait que l'histoire est en marche et ce genre de truc. Et ben c'est à cause du fait que dans cet E3, il y a eu très peu de bullshit, en fait. Il y a eu très peu de chiffres. Voilà, avec les constructeurs de consoles qui se gargarisent sur les... On a vendu tant de consoles, etc. Microsoft, c'est quoi? C'est 5000 machins, bidule. C'est 100 000 utilisateurs de... ça, on s'en branle, mais complètement. Et alors que ça... Et ils l'ont compris, manifestement. Enfin, en même temps, ils avaient tellement de choses à nous parler qu'à mon avis, ils n'ont pas eu à avoir beaucoup de temps pour ça. Hein.
Bah oui, c'est ça, il y a eu beaucoup moins de blabla que les autres années, et ça, c'est forcément une bonne chose. C'est un excellent point pour cette E3 2013. C'est direct et précis. Voilà, c'est ça. À peine ils t'avaient présenté un jeu, que direct ils enchaînaient avec l'autre. Pas le temps de s'éterniser, pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. C'est pour ça que moi, dans la présentation de Tropical Freeze, j'ai même pas remarqué qu'il y avait Dixie. Hein. Mais j'espère qu'on pourra la jouer pas seulement en multi. Hein. J'espère que nous aussi, on pourra la prendre avec nous. Voilà. Pour qu'elle remplace Didi en solo, voilà. Et d'ailleurs, on devrait jouer avec, hein, mais bon. Ça encore, c'est pas trop grave. Qu'est-ce que... Dixie, quoi, lol. Le personnage qui est apparu avec Country 2, et qui était dans le 3 aussi. Dixie's Doop Trouble, excellent. Oui, donc, ben voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Ça, c'était un point très important, hein, que peu de gens ont souligné, j'ai envie de dire, mais qui, moi, m'a fait beaucoup plaisir. Sinon, ben ouais, les fonctionnalités et tout, je vais pas en parler, parce que sinon, ça va encore durer 1h30, mais encore une fois, c'est pas forcément la bonne vidéo pour vous en parler. Mais j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo de bilan, ou peut-être une vidéo spéciale, j'en sais rien, on verra bien ce que je pense des fonctionnalités des prochaines consoles et tout, même si je l'ai déjà plus ou moins dit dans des vidéos passées. En tout cas, voilà, là je pense que je vais vous laisser là. Ça a été bien long, j'ai envie de dire. ouais, c'est plus ou moins ce que j'ai pensé de l'E3, hein. C'était pas mal, voilà. Quand même, faut pas dire n'importe quoi non plus. C'était pas du gros foutage de gueule... C'était pas mal, vraiment. Ça promet pour les prochaines consoles. Et donc oui, je serai présent, hein, pour la prochaine génération de consoles. C'est pas encore celle-là que je vais boycotter, même si ça aurait pu. Hein. Voilà. Mais là, non. Et j'espère que vraiment, ils vont nous proposer quelque chose de pas simplement plus beau, quoi. Voilà. Parce que c'est bien beau, l'avancée graphique et tout. Parce que là, elle a effectivement l'air présente, quand même. Hein. C'est moins prononcé que les autres années, hein, évidemment. On passe pas d'un tas de pixels à un truc tout détaillé, tout lisse et tout. C'est déjà le cas dans les consoles actuelles. Donc, mais quand même, c'est bien, quoi, l'avancée graphique. Ça a l'air pas trop mal. Mais bon, ça encore, on en reparlera un petit peu plus tard. Faut voir, il y a marqué à 538 degrés, c'est dans le... Oula, dans le haut fourneau. Voilà, c'est ça. Et non pas dans le haut couteau. Non, c'est nul. Et fin de la communication, ben moi aussi, hein. Je vais vous laisser là, je pense. Ouais, c'est même pas Metal Gear, c'est Metal Tungsten. Voilà, excellent pour eux. Bon, mais voilà, c'était L4, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Encore une fois, c'était même pas mon avis que je suis en train de vous donner, là. C'est mon ressenti à chaud sur l'E3 et tout, ce que j'ai pensé en regardant la conférence, voilà, ce qui en ressort, ce qui m'a le plus titillé. Voilà, c'est ça, hein. C'est vraiment pas un avis complet sur tout, voilà, c'est vraiment les trucs principaux à retenir, voilà, qui moi ont retenu mon attention. Après le reste, comme d'habitude, je vous en parlerai, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Bon allez, à ciao les gars.